أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcende le temps et l'espace. Nous implorons sa bonté infinie ainsi que sa miséricorde sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les membres de sa famille et tous les croyants qui le suivent et qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. J'espère que vous allez tous bien par la grâce d'Allah, chers frères et sœurs en islam et chers frères et sœurs en adam. Alhamdulillah, nous continuons toujours les rappels, comme Allah le dit, Fazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappel car le rappel est utile aux croyants. Et dans la sourate 3, à partir du verset 104, Allah dit, Wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khayr, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Qu'il soit issu parmi vous un groupe de personnes qui appellent les gens au bien, qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable. Et c'est ceux-là qui réussiront. Et dans la même sourate 3, à partir du verset 110, Allah est clair. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas. Vous êtes la meilleure des communautés que nous avions suscitées pour les gens. Et pourquoi vous êtes la meilleure des communautés? Pourquoi sommes-nous la meilleure des communautés? Allah donne des critères. Il dit Ta'amuruna bil ma'ruf. Nous ordonnons le convenable. Atanahawna anil munkar. Interdisez le blâmable. Wa tu'minuna billah. Et vous croyez en Allah. Voici les critères qu'Allah donne. Donc, alors, mes frères et sœurs, pour être des gens de la communauté du prophète Mohammed alayhi salam, et être fier de notre islamité, être fier d'être parmi les meilleurs donc, dans cette communauté, pour être fier d'être dans la communauté qui est la meilleure de toutes les communautés, ce sont ces critères qui doivent nous accompagner. Nous devons nous rappeler les uns les autres de la parole d'Allah, de ses lois, de ses prescriptions. Nous devons ordonner le convenable dans notre quotidien et interdire le blâmable. Donc ici, ce soir, nous sommes là, Inch'Allah, une fois de plus encore pour continuer avec le rappel. Et vous dit, Allah, il est trop grand. Allah est immense. Subhanallah. Allah est immense. Allah est le plus grand. Je préfère dire ça comme ça. Quand on dit Allah est grand, Allah est grand. Ouais. J'ai dit aussi que oui, le président est grand, mais telle personne est grand. Mais Allah est le plus grand. Huwa Akbar. Huwa Akbar. Il est le plus grand, subhanallah. Soyez fiers d'être serviteurs d'Allah. Soyez fiers, mes frères et sœurs, d'être ses esclaves. Soyez fiers d'adorer qu'Allah seul sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. Restez dans votre dogme de monothéisme pur, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Affirmez à chaque instant l'unicité absolue d'Allah. Maintenez-la. Subhanallah. Réalisez-la dans chaque moment de vos vies, dans chacune de vos pensées et dans chacun de vos actes. Ayez la conception nette de l'unicité absolue d'Allah, le transcendant. Celui qui est Dieu avant et après la création, subhanallah. Il est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Huwa al-awwal wal-akhir. Wa zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Subhanallah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam يَقْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Allah dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur soit évident que c'est sur le Coran et la vérité.
Wallahi, le Coran est vérité. Le Coran est véridique. Le Coran est vérifié. Le Coran est vérifiable. Allah dit Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazzala. C'est avec la vérité que nous l'avons fait descendre. Et en toute vérité, le Coran est descendu, subhanallah. Le livre le plus parfait, qui n'a à son sein aucune incongruité, aucune contradiction, subhanallah. Et Allah dit, ni le mal ne peut l'atteindre, ni de par devant, ni de par derrière. Law anzalna hazal qur'ana ala jabalin, la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Si on faisait descendre ce Coran, ce livre saint, sur une montagne, la montagne se serait explosée. Elle se serait transformée en poussière sur les champs, subhanallah. Elle se serait convertie en grain de sable. C'est ce Coran que nous avons, subhanallah. Nous l'étudions, nous l'apprenons, nous le mémorisons et nous ne le mettons pas en pratique. Nous n'avons pas le comportement que le Coran nous demande. Allah nous demande d'être juste, d'être obéissant, d'être soumis à sa volonté, de l'adorer, mon frère et ma soeur. Est-ce que toi tu as accompli ce que Allah t'a demandé de faire avant de demander à Allah de te rendre des services au point de venir te plaindre? Je vois des êtres humains qui se plaignent. Oui, Allah ne m'a pas donné ceci, je ne suis pas content. Pourquoi Allah ne m'a pas donné cela, subhanallah? La vie qu'Allah t'a donnée n'est-elle plus importante que Dunya et son contenu? Juste un simple diplôme qu'Allah ne t'a pas donné, tu te plains? Et ceux qui sont dans la tombe, pensent-ils à un diplôme aujourd'hui, actuellement, comme toi? Ceux qui sont à l'hôpital depuis des mois et des mois, il y en a plus de 1 an, 2 ans, 5 ans, ils sont dans la maison à cause du problème de santé, il ne faut pas sortir dehors. Tu penses qu'ils parlent actuellement d'un problème de diplôme? Ils se plaignent de ça? Celui qui depuis des jours, il n'a pas eu ne serait-ce qu'un seul grain de riz pour non seulement calmer sa faim, il regarde sa femme, ses enfants dans les yeux, il n'a même pas 5 francs pour le donner à madame comme la popote. Tu penses que celui-là, il a les mêmes problèmes que toi? Sois reconnaissant envers Allah. Pendant que toi tu cries, pendant que tu te plains, il y a une autre personne dans sa situation. Pour lui, Allah il t'a tout donné. Alors mon frère, pour mieux apprécier ce qu'Allah t'a donné, regarde ceux qui sont inférieurs à toi, mais ne regarde pas ceux qui sont supérieurs à toi. Parce que ça c'est la sagesse d'Allah. Et c'est ce qui fait que notre société et notre monde est équilibré et qu'il continue d'exister. Parce que si Allah devait répondre à l'appel et à la prière de tout un chacun, le monde à la seconde allait arrêter d'exister. Pourquoi? Parce que si tout le monde devenait riche, qui allait aller au champ? Et si personne n'allait au champ pour labourer, comment allions-nous manger? Ton blé, ton maïs, ton riz et tout ce que tu manges là, mais ça a été cultivé. Mais si le cultivateur était riche, qu'Allah avait écouté toutes ses prières, qu'il était multimilliardaire, qui se serait rendu au champ pour préparer et pour cultiver pour toi? Ouais, le Diallo à la boutique là qui vend Baldé au kiosque, etc. là. S'ils étaient tous riches, tes achats que tu fais à la boutique, tu allais les faire chez qui? Toutes les femmes qui vendent au marché les condiments et autres, elles étaient toutes riches. Tu aurais fait tes achats chez qui au marché? Vous voyez? Et c'est ce qui rend la société équilibrée. C'est ce qui fait que nous vivons. Et Allah il nous a créé ainsi, il faut accepter la vie comme ça. Prie à ce qu'Allah te donne une situation agréable, une situation à travers laquelle tu pourras parvenir à tes besoins. C'est-à-dire qu'à la subsistance de ta famille, etc., qu'Allah t'octroie tout ça. Mais si à un moment donné, Allah te laisse dans une condition, tu ne sais pas pourquoi il te laisse dans cette condition, mon frère, ma soeur. Il y a des gens, si Allah leur donne une bonne condition de vie ici-bas, ça sera la cause de leur égarement et la cause de leur entrée en enfer. Et Allah, il décide de te laisser ici, pauvre, nécessiteux, de sorte que tu puisses avoir le paradis. Remercions Allah en toutes circonstances. Allah, il nous a gratifié, mon frère. Allah t'a nourri quand tu étais encore bébé. Quand ta mère t'a mise au monde, t'avais quoi? Tu ne pouvais pas manger du riz, ni de l'igname, ni de quoi que ce soit. Le lait maternel que tu as têté pendant 2 ans, est-ce toi qui as travaillé pour mettre là-bas dans le sein de ta mère?
Est-ce que ta mère qui a travaillé pour mettre là-bas? N'est-ce pas que si on prenait un morceau de lame et puis on déchirait le sein de ta mère, c'est du sang qui allait sortir à la place du lait? Alors qui t'a nourri avec le lait en ce moment? C'est Allah. Subhanallah. Allah est tellement miséricordieux. Alors mes frères, nous allons continuer avec notre appel. C'est pourquoi Allah dit, Ya ayyuhannas, ô homme, vous les êtres humains. In kuntum fi raybin min al-ba's. Si seulement si vous avez un doute en ce qui concerne la résurrection, en ce qui concerne la ressuscitation de l'être humain après sa mort, la recomposition de l'être humain, la revivification de l'être humain, si vous avez un doute en ce qui concerne le fait que Allah vous ressuscitera au dernier jour, Allah dit فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ. N'est-ce pas Allah qui vous a créé à partir de la terre? Regarde un peu l'être humain dans sa conception. Scientifiquement, cela est prouvé. Tous les composants de l'argile se trouvent dans la composition de l'être humain dans son entier, subhanallah. Tu as du fer en toi, tu as du zinc, etc., du calcium, tu as tout ça. Allah il t'a créé là, à partir de la terre. Mais qui précisément Allah a créé l'origine de l'homme qui est le père Adam, le père de l'humanité. Allah, il a créé Adam à partir de la terre, min turab. Summa, et après Adam, sa descendance, maintenant, min nutfatin, Allah a tiré sa descendance à partir du sperme, subhanallah. Regardez le seul véritable Dieu. Regardez le seul véritable Dieu. Fatabarakallahu ahsanul khalikin. Gloire et pureté à Allah, le meilleur des créateurs. Qu'on exalte sa bénédiction, Allah. Allah, il nous a créés. Regarde comment il décrit sa création, comment il l'a parfaitement faite, de façon harmonieuse, subhanallah. Et toi, tu vas aller adorer quel Dieu, mon frère, ma soeur? Tu vas adorer une créature au lieu du créateur? كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون كيف تكفرون بالله comment pouvez-vous me croire à Allah? Comment pouvez-vous être ingrat envers Allah? وكنتم امواتا, alors qu'avant ton existence, avant ta naissance sur cette terre, tu n'étais nulle part, tu n'étais que mort parce que tu n'existais pas. Tu n'existais même pas. Subhanallah. Tu n'existais pas avant ta naissance. On n'avait jamais entendu parler de toi. On ne sait même pas à quoi tu allais ressembler. Même ta mère qui t'a mise au monde avant ta naissance ne savait même pas qu'est-ce que tu étais. Qu'est-ce que tu serais. Subhanallah. Et un matin, elle a fait un test et puis elle a. Ça dit qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Subhanallah. Wa kuntum amwata. Fa'ahayakum. Et Allah, il t'a donné vie dans les matrices de vos mères. Il vous a donné vie dans les matrices de vos mères. Fa'ahayakum. C'est Allah qui vous a donné la vie. Mais regarde comment il détaille sa création. Et toi, tu vas adorer une créature. Un être humain qui est né d'une femme comme toi. Qui a passé 9 mois dans le liquide amniotique d'une femme comme toi. Allah, il dit, wa kuntum amwatan fa'ahayakum. De la mort dans laquelle tu étais. De l'inexistence dans laquelle tu étais, Allah il t'a amené à l'existence, il t'a amené à la vie dans l'utérus de ta mère. Et après t'avoir donné vie, aujourd'hui c'est toi qui tapes ta poitrine. Ouais, je suis le plus fort, je suis ceci, c'est moi, je suis cela, personne ne peut contre moi. Allah il dit, après toute cette vie que tu feras ici, summa yumitukum, cette même mort je vais l'amener venir te prendre. Cette mort va te frapper. Elle viendra te faire disparaître de cette terre comme si tu n'avais jamais vécu un seul jour, subhanallah. Fa'ahyakum. Il t'a donné la vie, certes. Summa yumitukum. La mort te ramassera après cette vie. Alors la question à se poser, le jour que la mort viendra taper à ma porte, je serai dans quelles conditions? Est-ce que mon Seigneur Allah sera satisfait de moi? Est-ce qu'Allah a pardonné tous les péchés que j'ai déjà commis? Mes tonnes de mensonges, la fornication, l'adultère,
les calomnies, le meurtre, tous les péchés que j'ai commis, l'usure, subhanallah. Le fait de dérober les biens d'autrui, des orphelins, des faibles. Dans quelles conditions cette mort viendra me voir? Dans quelles conditions cette mort viendra me prendre? Summa yumitukum. Summa, après cette mort encore, Allah dit summa yuhyikum. Tel que tu étais mort, c'est-à-dire tu étais à l'inexistence, tu n'existais pas, et qu'il t'a donné vie dans la matrice. Dans la matrice de ta mère, après ta vie physique terrestre dans ce monde matériel, il dit je te ferai mourir. Et après cette mort, summa yuhyikum, je vais te ressusciter encore. Wow! Regardez, à part Allah qui peut. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman? Summa ilayhi turja'un, et c'est vers Allah que tous nous ferons retour. Wallah, qu'est-ce que nous attendons? Rubama yawadu allazina kafaru law kanu muslimin. Il dit peu de temps seulement et les mécréants diront, ils regretteront pourquoi n'avons-nous pas été musulmans. Et qu'est-ce que toi tu attends? Allah il te dit ya ayyuhan nas hu um. Il parle pas, il n'a pas ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun. Ya ayyuhal kafirun, ya ahl al-kitab. Hein? Allah, il ne parle pas. Ça veut dire qu'il n'a pas dit aux gens du livre chrétien juif, non. Yahiwal Mushrikoun, il n'a pas dit oh, vous les polythéistes. Yahiwal Kafiroun, vous les mécréants. Laissez Yahiwal Muslimoun. Yahiwal Mu'minoun. Allah, il dit Yahiwal Nas. Tous les êtres humains sont appelés à travers ce verset. Quelle que soit ton appartenance religieuse, quelle que soit ton appartenance ethnique, de race, etc. Allah il dit, oh homme, tant que tu es un être humain descendant d'Adam, Allah il t'appelle en disant ceci. In kuntum fi raibin min al-ba'ath. Il dit, si seulement si vous êtes en doute en ce qui concerne la résurrection, Allah il dit, fa'inna khalaqnakum min turab. N'est-ce pas Allah qui vous a créé la première fois à partir de l'argile? Regardez le sang, c'est sorti de l'argile. Qui n'est pas la même chose que les cheveux, qui est sorti aussi de l'argile. Qui n'est pas la même chose que les yeux, qui sont sortis aussi de l'argile. Regardez les différents composants de l'être humain. Chaque organe est différent d'un autre. Regardez les ongles, qui ne sont pas les os. Mais toutes ces choses-là, Allah a sorti ça de l'argile, de la terre. Et quand il a créé Adam et qu'il l'a exposé, avant d'insouffler l'âme à Adam, il demande aux anges, allez-y, regardez la créature que je viens de créer. Les anges sont venus faire le tour autour d'Adam. Ils l'ont vu exposer, déposer, subhanallah. Sorti adulte avec la barbe, les cheveux bien longs, bien noirs, tout. Et les anges touchaient Adam et ils disaient, Haza Basharun, Haza Bashar, Haza Bashar. Ils disaient, mais ça, ah oui, c'est ça, Allah il appelle un être humain avec un corps, ça c'est le corps. C'est ça, Haza Bashar, ah oui. En fait, c'était la première fois pour voir devant une créature comme ça. Parce qu'ils ont été créés, makhlouqatun min nour, ils ont été créés de la lumière. La yakuluna, ils ne mangent pas. Wa la yashrabuna, ils ne boivent pas. Wa la yanamuna, ils ne dorment pas. Wa hum ibadullahi mukramun. La yasunallaha ma amarahum, wa yaf'aluna ma yumarun. Ils sont des serviteurs honorés d'Allah. Les anges ne désobéissent pas à Allah et ils ne font que ce que leur Seigneur leur a recommandé de faire. Ils ont été créés de la lumière. Quant aux djinns, wal jana, khalaqnahum min nari samum. Allah, il a créé les djinns à partir du feu. Mais c'était la première fois de voir une créature physique avec un corps physique. Les anges le regardent, ils sont étonnés. Subhanallah. Et Allah, il t'a créé, il t'a honoré. Walakad harful tahkik. Point de doute, la certitude. Il a cacheté cela en disant ceci. Que ramna bani Adam. Certes, Allah a honoré le fils d'Adam. Allah a tellement honoré l'être humain. Allah a tellement gratifié l'être humain. Regardez ce qu'Allah a fait de nous. Celui qui est le souverain, le dominateur suprême par essence et par excellence, et il donne un pouvoir à l'être humain pour dominer sur tout ce qui existe comme création. L'être humain domine sur toutes les autres créatures. Et les anges même, Allah les a mis au service des hommes.
Oui, les anges sont au service de l'être humain, subhanallah. Mais regardez la grandeur de l'être humain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا. Regardez comment Allah nous a honorés. Il dit qu'il a tellement gratifié, honoré l'être humain. Et regarde comment Allah il nous prend entre le ciel et la terre, à travers les avions, etc. Cette science où on a pu construire, fabriquer, inventer hein, tous ces avions, etc. qui nous prennent entre le ciel et la terre, dans l'espace pour se déplacer et tout ça. Allah il dit c'est lui qui nous a donné cette science à l'être humain pour pouvoir créer toutes ces choses-là. Il nous prend entre le ciel et la terre. Et en même temps il nous prend encore sur l'eau, à travers les bateaux. C'est lui qui nous a donné cette science. Et là, il ne s'arrête pas là. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا. Des nombreuses créatures qu'Allah a créées, il a mis l'être humain au-dessus. Nous sommes au-dessus des djinns. Subhanallah. Allah, il nous a tout donné. Et je vois des gens, des êtres humains, soi-disant des marabouts, qui vont se faire des esclaves des djinns, qui vont aller adorer des djinns, se prosterner devant des djinns. Hey! Ne sais-tu pas qu'Allah t'a mis au-dessus de toutes les créatures? Subhanallah. Tu rabaisser autant? Des gens qui vont aller se rabaisser en haut d'un morceau de bois? Moi je dis ça là, c'est le véritable fou. Celui qui se prosterne devant un morceau de pierre, un morceau de bois. Mais c'est lui le véritable fou. Ceux que vous voyez sur les tas d'ordures, etc. ou qui se promènent nus en ville, etc. ce ne sont pas des fous. Eux sont juste des malades mentaux. Ils sont juste des malades mentaux. Le véritable fou est celui qui se prosterne devant un morceau de bois. Alors que Allah il l'a placé au-dessus de toute la création, l'être humain. Subhanallah. Alors mon frère, ma soeur, Allah il dit ceci. L'akad, harful tahkik, point de doute en cela. Jitumuna kema khalaqnakum awwala marra. Wallahi, Allah il dit, certes, vous retournerez à Allah tel qu'il vous a créé la première fois, subhanallah. Et Allah ne s'arrête pas là. Si vous doutez de la résurrection, mais c'est lui qui vous a créé la première fois. La première création, c'est elle qui devrait être plus difficile que la seconde. Parce qu'à travers la première, tu as eu toute l'expérience qu'il faut, etc. Donc la seconde doit être plus facile. C'est ce que Allah te montre ici logiquement. Si tu doutes de la résurrection, est-ce qu'après ta mort, Allah peut te refaire? Mais sache qu'il t'a déjà fait une première fois. C'est le véritable Dieu qui est là. Toi, tu adores une créature qui, lui, à sa mort, il a eu besoin de ce Dieu-là pour le ressusciter. Tu adores quel Dieu? Un morceau de bois, un morceau de pierre? Ou d'autres personnes qui pensent que Dieu s'est littéralement incarné dans un corps physique en enseignant la doctrine de la théophanie? Ils ont la manifestation sur les lèvres. Alors que la manifestation est le reflet de l'absolu sans pour autant être l'absolu, l'éternel Dieu ne se rabaisse pas de la sorte, subhanallah. Et dit dans Esaïe 42:8, je suis l'éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Non, l'éternel Dieu ne joue pas avec son honneur et sa gloire. Il ne partage pas ça. Il ne bafoue pas ça. Celui qui te dit dans les 10 commandements, vous ne prendrez pas le nom de l'éternel en vain. Mais son simple nom, il te dit de ne pas prendre ça en vain. Et tu imagines que c'est lui-même qui va descendre dans la boue. Ces créatures vont le prendre, le ligoter, chicoter, crucifier. Celui dont le nom seulement ne doit pas être pris en vain, subhanallah. Et tu demandes à quelqu'un, est-ce que c'est Dieu qui est venu? Mais pourquoi devrait-il venir? Il te dit non, il est venu pour se faire comme les êtres humains, ses propres créatures, pour vivre ce que ces créatures vivent, expérimenter, hey, Dieu, expérimenter notre situation de vie. Donc il ne le sait pas, il doit expérimenter. Même le vétérinaire, quand tu lui envoies ton mouton, il ne se transforme pas en mouton pour connaître le problème du mouton. Revenez au véritable Dieu, qui décrit comme telle sa création, qui décrit la résurrection, qui est sous son contrôle et son pouvoir, l'unique qui donne la vie, subhanallah. Sans sa permission, nul ne peut venir à la vie. Sans sa permission, nul ne peut goûter à la mort. Allah continue en disant ceci. In kuntum fi raybin min al-ba'ath, si vous doutez de la résurrection,
فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ. Sachez que c'est Allah qui vous a créé depuis l'origine, min turab, à partir de la terre, votre père Adam. Summa, après Adam, min nutfatin, il a tiré sa descendance à partir du sperme. Et Allah, il ne s'arrête pas là. Il dit, summa, et après cela, dans la conception, dans la formation de l'être humain, dans le ventre de sa mère, Allah, il dit, après l'étape du spermatozoïde, summa, après cela, mina alaqatin, il fait du sperme une adhérence. C'est lui le véritable Dieu. Montrez-moi un seul Dieu dans un livre saint qui décrit la création qu'il a faite comme ça. Ça n'existe pas. Subhanallah. Ça n'existe pas. Afala tatazakkaroun. Afala yattakoun. Afala ta'qiloun. Subhanallah. Et Allah continue. Après l'étape du sperme, il fait de cela une adhérence. Et il dit après l'adhérence, summa, après l'adhérence, min mudghatin mukhallafatin, il fait maintenant un embryon normalement formé. Un embryon normalement formé. Wa ghayr mukhallafatin, ou peut-être un embryon avec un handicap qui n'est pas normalement formé. Et c'est ça Allah il fait dans la création pour montrer que rien ne se fait au hasard. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Non, c'est manuel, c'est Allah qui fait. Il fait comme il veut, ce qu'il veut de sa création. Il fait ceci ici, des blancs, les rouges, les jaunes là-bas, etc. Parmi les noirs, les métissés, il y en a qui sont clairs, il y en a qui sont bien noirs, etc. Il fait de sa création ce qu'il veut. Il y en a qui viennent aveugles, il y en a qui viennent sourds-muets, il y en a qui ont l'usage de la vue, de la parole, hein, et de l'écoute, etc. Il y en a qui viennent avec des doigts qui... Hein? Subhanallah, vous voyez, Allah il nous a créés. Il fait de sa création ce qu'il veut. Il y en a qui viennent infirmes. Il y en a qui viennent avec la lèpre, etc. Allah dit qu'il fait de sa création ce qu'il veut. Soit il crée l'être humain parfait dans l'embryon, soit imparfait, de façon imparfaite. Il fait de sa création ce qu'il veut. Il fait de sa création ce qu'il veut. Subhanallah. Vous voyez? Cette bouteille qui est là, je cache la bande publicitaire. Vous voyez cette bouteille? Vous allez prendre, aller dans la même société, la moule dans laquelle cette bouteille est sortie là, c'est fait déposer à l'usine automatiquement. Toutes les bouteilles qui vont sortir seront même chose que celle-là. Toutes même chose. Le même contenu. Tu prends, ça dit que bouchon de cette bouteille là, tu mets ici et une autre bouteille de qui est sortie dans la même moule que celle là, ça va prendre. Ce sont les mêmes parce que ça se passe automatiquement. C'est quand tu vas à l'usine, ça sort, c'est automatique parce que c'est une seule moule qui est conçue, déposée pour faire passer tout automatiquement. Et oui, si Dieu n'existait pas et que la nature reproduisait toutes choses comme ça de façon naturelle, tout serait automatique. Tous les êtres humains allaient être non seulement du même sexe, la même couleur, la même taille, la même forme, etc. Non. Allah, il fait tout ça dans sa création pour montrer que rien ne se fait automatiquement. Il y a un auteur. Tel qu'il n'y a pas de voleur sans vol, il n'y a non plus pas de créateur, de créature sans créateur. C'est pourquoi Allah vous pose la question, vous les êtres humains. Et dit, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Les êtres humains ont-ils été créés à partir du néant? C'est-à-dire à partir de rien, ils se sont levés un matin et puis ils se sont vus. Où ont-ils été créés? Médite, toi-même médite. Tu peux te lever un matin et puis voir une maison qui est là, qui est sortie seule comme ça sans que personne n'ait déposé. C'est inconcevable. Et Allah continue en disant,
ceci. Et dit, l'ayobayyina lakum, afin que vous soyez raisonnable, afin que vous sachiez que rien ne se fait automatiquement, c'est Allah qui fait tout ce qu'il veut de sa création. Wa nuqiru fil arham ma nasha. Et nous déposons, regardez ce qu'Allah dit, et nous déposons dans chaque utérus ce que nous voulons. Ouais. Moi, voici mon Dieu, et puis je suis fier de lui. Mon frère, présente-moi ton Dieu, que tu adores en dehors d'Allah, qui t'a une fois dit que lui dépose dans les matrices ce qu'il veut. Quand il veut déposer femme, il dépose femme. Il veut déposer garçon, il dépose garçon. Il veut déposer jumeau, il dépose triplé, quoi triplé. Oui, c'est mon Dieu. Il dit dépose dans les matrices ce qu'il veut. Toi, tu dis quoi? Allah est trop bon. Voilà, si toi, tu n'es pas fier d'être musulman, tu n'es pas fier d'avoir Allah comme ton Dieu, tu sais que ce n'est pas la peine. Et alors, il continue en disant ceci. Il dit, il a ajalin musam. Et la vie que nous donnons, c'est pour un temps fixé. C'est pour un temps fixé. Et c'est là le problème, mon frère, ma soeur. Allah, il te démontre tout ça, ta création et tout. Mais il te dit, oui, il a fait tout ça, tu es content de te voir. Oui, je suis content de me voir. Mais il dit, c'est pour un temps fixe. Nous allons rendre compte bientôt. Nous sommes dans un monde d'examen, mon frère. Nous sommes dans un monde d'examen où Allah a envoyé les professeurs qui sont les prophètes et les messagers. Nous sommes dans un monde d'examen où Allah nous a envoyé les professeurs qui sont les prophètes et les messagers. Ils nous ont envoyé le document de cours, le cahier de leçons qui n'est rien d'autre que le Coran, qui est un code de vie, un code de loi et un code de conduite, le manuel d'utilisation de l'être humain. Subhanallah. Ils nous ont, subhanallah, ils nous ont tout enseigné. Et vous savez, dans cet examen-là, ce qui est intéressant, ce qui est tellement, subhanallah, regardez un peu, hein. Allah, il nous met dans un monde d'examen. Il est lui-même le fondateur de l'établissement de Dunia. Il envoie les prophètes nous enseigner les leçons. Et puis regarde, pendant qu'on est en train de composer, la compose se fait durant toute notre existence. Nous sommes en train de composer chaque jour. Et pendant la composition, si vous savez ce qu'Allah il fait, Allah il nous permet de tricher. Il nous permet de tricher pendant la compo. Il dit, hey, si tu ne connais pas la bonne réponse là, va prendre ton cahier de cours qui est le Coran, vérifie la bonne réponse et mets-la en application. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi de plus? Il nous permet de tricher pendant l'examen. Et il ne s'arrête pas là. Quand toi-même tu ne peux pas ouvrir le cahier de leçons et puis te retrouver dedans, il te permet d'aller vers ton voisin, aller lui demander de t'aider à tricher. Pendant que tu prends un chemin pour aller apprendre à tricher, Allah il dit, il te pardonne tes péchés pendant que tu te déplaces pour aller juste avoir la bonne réponse avec quelqu'un d'autre. Nous, dans nos examens, dans ce monde matériel, tu peux tricher en examen? Tu ne peux pas, c'est interdit. On te prend, on prend ton voisin, c'est la prison. Mais Allah il nous permet de tricher, de fouiller dans les cahiers. Et quand toi-même tu ne te retrouves pas dans ton cahier, il te permet d'aller voir ton frère et lui demander. Et tu sais quoi? Si tu ne peux pas te retrouver dans le cahier des leçons, toi seul et puis tricher, Allah il dit, si tu ne vas pas voir quelqu'un pour tricher, celui qui peut t'aider à tricher, toi-même tu seras condamné pour le fait de ne pas tricher, tu seras condamné pour ça. Il te condamne même pourquoi tu n'as pas triché, il te condamne. Celui que tu vas aller voir pour tricher, s'il refuse de t'aider à tricher, il sera condamné lui-même également. Est-ce que vous regardez l'amour d'Allah? Il est magnanime et doux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le compatissant, le glorieux. Qu'est-ce que vous attendez, les gars? Et Allah, il ne s'arrête pas là. Même durant l'examen, tu as fait beaucoup de ratures dans ta vie, des péchés, donc tu as fait beaucoup de ratures. Et ensuite, tu as fait de composition durant ton existence. Allah, il dit toutes ces ratures-là, t'inquiète.
Tout ce qu'il te demande, c'est de rassembler tes ratures là et puis tu viens déposer devant le fondateur. Tu lui dis, monsieur le directeur, j'ai commis des fautes. J'ai fait beaucoup de ratures. Ma feuille est sale. Vous savez ce qu'il fait? Il te dit, t'inquiète. Toutes tes ratures là, il les efface et puis les remplace avec les bonnes réponses sur ta feuille. Il pardonne tous tes péchés. Et puis il ne s'arrête pas là. Il les convertit en bonnes actions qu'il met dans la balance de tes bonnes actions. Mais attends. Vous voulez adorer quel Dieu en dehors d'Allah? Vous voulez adorer qui? Subhanallah. Ceux qui envoient les cadeaux pour nous soutenir, alhamdoulilah. Qu'Allah vous rende au centuple. Ce n'est pas nous que vous soutenez, c'est la cause d'Allah. Donc Allah continue en disant ceci. Il dit, nous déposons dans les matrices ce que nous voulons. Il dit, il a adjalin musamma et il y a un temps bien fixé pour l'existence de l'être humain sur la terre. Il y a des comptes qui te seront demandés. Et il continue en disant, summa nukhrijukum tiflan. Quand tu es dans le ventre de ta mère, il y a d'abord un temps qui est fixé là-bas. Il y a des enfants de 7 mois, des enfants de 9 mois, des enfants de 10 mois, des enfants de 1 an et quelques. Allah dit, il y a un temps fixé pour chaque enfant dans la matrice de sa mère. Les enfants de 7 mois sont généralement prématurés, etc. Mais il dit, après ça, nous te faisons sortir, ou nous vous faisons sortir, tiflan, faible. Vous ne pouvez rien faire. Des bébés. Vous êtes là, quand vous sortez, là où on vous dépose, vous êtes là. Regardez la miséricorde d'Allah. Tu es dépourvu de tout ce qui est intelligence, tout ce qui est discernement. C'est-à-dire que tu es venu comme ça, tu ne sais même pas ce que tu es. En fait, tu ne sais rien parce que ça, là, ça ne commence pas à travailler d'abord. Tu n'as rien ici d'abord. Mais regardez ce qui se passe. Dès l'instant où l'enfant sort net, qu'on le dépose sur la poitrine de sa mère, quand il fait déjà ses premiers cris, la première des choses, pour que le lait puisse descendre dans les seins de la maman, on dit de mettre dans la bouche de l'enfant pour qu'il tire, pour que le lait puisse descendre dans les seins. Subhanallah. Regardez, j'ai la chair de... Allah est trop grand. Subhanallah. Mais regardez ce petit. Allah dit, tiflan, faible, un bébé, dépourvu de toute raison. Quand tu mets le sein dans sa bouche, il vient juste de sortir dans le ventre. Il ne sait même pas ce que c'est. Mais qui lui dit de tirer? Comment il fait? Comment il sait qu'il doit tirer? Est-ce que c'est la sage-femme qui lui a dit de tirer, subhanallah? Et regardez ce qu'Allah fait. Et vous n'adorez pas Allah? Vous adorez qui? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qui lui dit de tirer le petit? Qui lui dit de tirer? Il y a Foulane. Qui dit à Foulane de tirer? Allah il dit, summa nukhrijukum tiflan. Dépourvu de toute raison faible. Allah est trop miséricordieux. Et ce jour-là, Allah il t'a permis de tirer. Allah il t'a nourri. Il a fait venir aussitôt le lait. Alors qu'il n'y avait que du sang dans le sein de ta mère avant que tu ne sortes. J'ai les larmes aux yeux. Allah t'a nourri là. Aujourd'hui, tu trouves que Allah est... Subhanallah. L'être humain est certes ingrat envers son Seigneur. Wallah, nous sommes ingrats. Et Allah continue en disant ceci. Summa litablughu ashuddakum. Et ensuite, nous vous laissons grandir. Croître en âge, en intelligence, en sagesse. Subhanallah. J'ai dit, toi tu adores qui en dehors d'Allah? Celui dont Luc chapitre 1 dit, et l'enfant de Marie croissait en âge et en sagesse. Allah il dit ici que c'est lui qui crée l'être humain. Tu sors faible et il te laisse grandir en âge et en sagesse jusqu'à ce que tu atteignes quoi? Jusqu'à ce que tu atteignes un âge adulte. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et Allah continue en disant ceci.
Et il y a certains parmi vous qui meurent étant bébé. Étant bébé, il meurt. Il meurt étant bébé. Et Allah il dit, waminkum man yuraddu ila arzal al umur. Il y a certains parmi vous, nous les laissons grandir, devenir jeunes, devenir vieux, etc. etc. Et il dit, likayla ya'lamu min ba'di 'ilmin shay'an. Jusqu'à ce que la vieillesse arrive à tel point que il ne sache même plus ce qu'il savait avant. Il perd l'intelligence, la raison. La mémoire de rétention devient brouillée. Subhanallah. Jusqu'à ce que sa mémoire soit formatée. Il ne se rappelle plus de rien. Même ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ils regardent, ils demandent, toi, tu es qui? Il ne sait même pas c'est qui. Ça dit que à force d'être vieux jusqu'à on perd tout, toutes les facultés. Subhanallah. Allah, regardez, ça c'est mon Dieu qui décrit sa création comme ça. Le Dieu que tu adores, le morceau de bois, la pierre, les djinns, les esprits, les démons que tu adores, ceux qui ont divinisé des êtres humains. Oui. La description que mon Dieu est en train de donner, montre-moi la description de la création de ton Dieu comme ça. Dans quel livre? Montre-moi. Allahu Akbar. On me demande de mettre des modérateurs. Ouais, j'ai déjà deux modérateurs ici, peut-être qu'ils ne sont pas là actuellement, dans le direct. Et moi, je ne maîtrise pas trop voilà, ces choses-là. Alors, je continue. Allah, il continue encore en disant ceci. Il dit, je laisse certains qui continuent à vivre jusqu'à atteindre un âge très avancé en âge, au point que leur mémoire même se formate. Ça dit qu'ils ne se rappellent même plus de quoi que ce soit, de tout ce qu'ils savaient avant. Hein? À force d'avancer en âge. Et Allah il continue en disant ceci. Wataral ardo hamidatan. Et dit l'être humain. Jusqu'à présent, Allah est en train de donner tous ces détails à ces personnes, à ces hommes, à ces êtres humains qui pensent que après leur mort, Allah ne peut pas les ressusciter là. C'est à eux qu'Allah est en train de répondre comme ça. Allah il donne les détails de sa création. Tout ce qu'il fait dans sa création. Regardez tout ce qu'Allah vous détaille. Pour vous montrer que c'est lui qui fait de sa création ce qu'il veut. Il vous a créé une toute première fois. Et ce serait plus facile à lui encore de vous refaire une seconde fois. Subhanallah. Et si vous ne croyez pas à ça, il vous donne maintenant les détails de ce qu'il a déjà fait de vous. Depuis les matrices de vos mères. Et il continue en disant. Il laisse toi ton exemple maintenant. Et il va sur la terre. Et il dit, Wataral ardo. Regardez la terre. Hamidatan. Lorsqu'elle est morte pendant la saison sèche. Les herbes sont sèches. Les arbres. Tout. La terre est sèche. Des rivières sèches. La terre meurt. Et Allah il dit après cela, qu'est-ce qui se passe? Faiza anzalna alayha al-ma'a. Et lorsque nous faisons descendre sur elle l'eau, la pluie, lorsque nous faisons descendre l'eau du ciel sur elle, qu'est-ce qui se passe? Ihtazat, elle commence à remuer légèrement. Warabat, elle commence à s'enfler, elle prend forme, elle boit l'eau, elle commence à prendre forme, subhanallah. Waambatat min kulli zawjin bahij, et nous faisons pousser des coupes de végétaux de toutes sortes. Vous savez, même les arbres, il y a des arbres mâles et femelles. Scientifiquement, cela est prouvé. Même les papayers, il y a le papayer mâle, papayer femelle, etc. Donc Allah dit, des coupes de végétaux de toutes sortes, nous en faisons pousser, subhanallah. Et c'est une manière de te dire, mon frère, quand tu prends la graine de maïs ou ta graine d'arachide, ou ta graine de riz sèche, morte, et que tu vas creuser la terre sèche, morte, et que tu la mets, la terre est non seulement morte, ta graine de maïs est sèche, morte, tu la mets, Allah il fait descendre l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Cette graine de maïs sèche, morte, que tu as mise dans la terre sèche, morte,
Après qu'il ait plu dessus, qu'est-ce qu'Allah fait? Il redonne vie à cette même graine de maïs sèche morte. Allah redonne vie. Cette graine va germer et faire sortir encore un autre maïs où tu peux avoir 2-3 épices de maïs. Vraiment. Allah est très miséricordieux. Ceux qui me suivent actuellement sur TikTok, pour la cause d'Allah, allez-y sur mon profil. Regardez, il y a le lien de ma page YouTube. Cliquez dessus, allez-y, vous abonnez, vous. Tous sur ma page YouTube. Parce que bientôt, je vais commencer à faire les lives là-bas. Donc, allez-y, TikTok. C'est la page YouTube. Il y a le lien sur mon profil. Il y a mon contact WhatsApp là-bas. Prenez le contact si vous voulez, pour les questions que vous voulez après. Et allez-y sur ma page YouTube. Pour ceux qui sont sur Facebook, sachez que je n'ai pas pu mettre... Bon, d'abord, oui, vous prenez la description du live. Le direct, je suis en direct, mais dans la description du live là. Le titre du live là. J'ai mis là-bas mes 3 pages. Il y a les liens. Allez-y cliquer. Facebook, YouTube, TikTok. Allez-y cliquer, cliquez, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est la moindre des choses que vous puissiez faire pour écouter la Dawa. Partagez aussi aux autres pour qu'ils viennent s'abonner. Et les gens vont pouvoir donc bénéficier aussi de l'enseignement. Et vous aurez aussi des hasanat. Parce que vous serez la cause pour qu'ils puissent entendre le message d'Allah à travers ma page. Abonnez-vous et partagez à d'autres personnes pour qu'ils puissent s'abonner. Et Allah continue en disant « Zalika bi anna allaha huwa al-haqq » Et il dit « Zalika » C'est ainsi que, où il en est ainsi. Après toute cette démonstration qu'Allah vient de vous donner là, il dit « Oui, Zalika, il en est ainsi, bi anna allaha, que certainement Allah huwa al-haqq » C'est lui la vérité. En toute vérité, c'est lui la vérité. La vraie divinité que tu dois adorer. En dehors de lui, point d'autre. Et Allah continue en disant, Wa annahu, et certes Allah, yuhil mauta. Point de doute, c'est lui qui donne la vie aux morts. C'est lui qui détient la clé de la résurrection. Il ressuscite les morts. Yuhyil mauta wa annahu, et certes Allah ala kulli shay'in qadir. Il est pouvoir et c'est lui qui est omnipotent, le tout-puissant. Si tu adores un Dieu qui t'a une fois dit tout pouvoir m'a été donné, si tu adores un Dieu qui t'a une fois dit je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends je juge et mon jugement est vrai, ce n'est pas le véritable Dieu. Allah, il dit, c'est Allah, l'omnipotent. Il est pouvoir, le tout-puissant. Et Allah continue en disant, Wa anna sa'ata. Il dit, et certes, l'heure, le jour du jugement dernier, la fin du monde, Wa anna sa'ata. L'heure, Atiyatun arrivera très certainement. La roiba fiha, point de doute en cela. Wallahi, Allah dit, faut même pas douter. L'heure arrivera. Le jour du jugement dernier arrivera. Et ce qui est intéressant, mon frère, ma soeur, si tu adores un Dieu qui une fois on lui a demandé au sujet de la fin des temps, et qui dit en ce qui concerne l'heure, personne ne connaît, ni moi le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Si tu veux savoir ce Père seul qui connaît là, c'est qui? Dans la sourate 31, dernier verset, Allah il dit, c'est auprès d'Allah que se trouve la connaissance de l'heure. C'est auprès d'Allah que se trouve la connaissance de l'heure. C'est lui seul qui connaît la fin des temps. Toi, tu adores un Dieu qui dit que lui ne connaît pas la fin des temps. Mais c'est qu'il n'est pas le Dieu créateur. Parce que même le frère, le jeune baldé mauritanien qui vend à la boutique là, tous ses produits là, il y a date de péremption dessus. C'est-à-dire que quand le blanc a fabriqué son produit, il a mis date de péremption. Il sait quand est-ce que son produit est sorti de l'usine, quand est-ce que son produit sera périmé. Et Allah, il va créer un monde dont il ne connaît pas la fin de ce monde. Ah non, c'est pas Dieu. Tu adores un Dieu qui a une fois répondu qu'il ne connaît pas la fin des temps, il n'est pas Dieu.
Mais regardez ce qu'Allah il dit. Wa amna sa'ata. Certes, l'heure, la fin du monde, l'heure exacte, la minute, la seconde, là. Ah, tiyatoum, elle arrivera. La roi bafi. Point de doute en cela. Et il dit quoi? Dans la sourate 20, Akedou Urfiha, le Toujouza, Kullu Nafsim Bima Tasa'a. Et Allah il dit ceci. Et je l'ai caché. J'ai caché cette date-là. De sorte que personne ne connaisse. Le Toujouza, Kullu Nafsim Bima Tasa'a. Afin de récompenser chaque être humain de ce qu'il a œuvré. Parce que si chacun savait quand est-ce que le monde finira, ou quand est-ce que lui-même il mourra, chacun ferait ce qu'il voulait, et quand sa mort sera proche, il allait courir commencer à se repentir, ou quand la fin des temps serait proche. Allah dit non, je l'ai caché. Vous voyez, c'est celui à qui ça appartient, celui qui peut cacher sa chose. Et c'est pourquoi il a tellement caché sa chose, que toi ton Dieu que tu adores là, ne sait même pas quand est-ce que ça va finir, parce que le propriétaire légitime a caché. Allah Akbar, quand est-ce que tu viendras adorer Allah, mon frère, ma soeur? Et Allah, il dit, il continue. Et il dit, la raïba fiha, ce jour-là arrivera, point de doute en cela. Et il dit quoi? Wa amna Allah, certes, Allah, yab'asu man fil qubur, Allah ressuscitera tous ceux qui seront dans les tombes. Ouais. Allah ressuscitera tous ceux qui seront dans les tombes, wallah, ce jour-là, tous comparaîtront devant le tribunal divin. Allah n'oubliera personne. Mon frère, wallahi, craignons Allah. Wallahi, craignons Allah. Craignons Allah. Ne serait-ce que la mort et la résurrection, craignons Allah. Ne serait-ce que ce que tu fais, tu sais que Allah il va étaler ça le jour de Yawm al-Qiyamah. Tu seras interrogé le jour de la grande honte, le jour de la grande peur, le jour où tous les êtres humains seront tout nus. Mais à cause du châtiment et de la crainte de ce jour, personne ne fera attention à la nudité d'autrui. Hein? Yawm atub la sarair, le jour où toutes les choses cachées seront divulguées. Mon frère, tu attends quoi pour te repentir et puis commencer à demander pardon à Allah? Hein? Devant ta femme, devant tes enfants, devant tous ceux qui avaient confiance en toi, devant ceux qui disaient oui, le gars là c'est un jeune sérieux, il est parfait, il est très bon. Hé! Allah il va les placer écran géant. Voici tes séances de fornication, de vol, de mensonge, de hey, la honte de ça. Les enfants sont là, hein, papa, tes épouses sont là, mon mari, tes parents sont là, mon fils. Si tu es un moustache, tes fidèles sont là, hein, notre chèque. Yaumatub la sara'ir, fama lahu min kuwatin wala nasir. Hé. Allah continue en disant, wa minan nas. Après tous ces enseignements qui sont donnés, parmi les êtres humains, wa minan nas, et il y a des gens comme ça là, tranquilles, hein, des êtres humains, man yujadilu fillah, et qui se permettent de venir discuter au sujet d'Allah. Mais c'est une foutaise. Après tout ce qu'on vient de dire, et il y a des gens qui se permettent, yujadilu fillah, qui viennent discuter au sujet d'Allah, bighayri ilmin, dépourvu de toute connaissance, wala huddan, n'ayant aucun guide, wala huddan, n'ayant aucune guidance, wala kitabun munir, ni aucun livre clair ou pour les éclairer. Mais regardez ce qu'Allah cite. Après tous ces enseignements qu'on vous donne, il y a un groupe de gens qui s'élèvent là, sur les réseaux, qui se permettent de venir discuter au sujet d'Allah. Allah est Hubalde, Allah est ceci. Quand est-ce que vous allez craindre Allah? Mais wallah, ici la mort vous trouve dans ça, c'est pas bon pour vous, les gars. Hein? Après tout ce qu'Allah vient de vous démontrer, quelle divinité a une fois détaillé ça?
Et elle a dit, je répète, ouais, mais nana, c'est malgré tout ça parmi les êtres humains. Man yuja dit le fil là. Il y a certains qui se permettent de discuter au sujet d'Allah. Bihayr elmin, n'ayant aucun savoir d'être des ignorants fins. Des ignorants fins. Ils sont nuls. Ils connaissent rien. C'est Allah qui parle. Bihayr elmin, wala hudan. N'ayant aucune guidance. Wala kitabin munir. Ni aucun livre pour les éclairer. Ils ont que des documents écrits de la main d'hommes, des pensées d'hommes, dans l'espace et dans le temps, par plus de 40 auteurs, remplis de contradictions, hein, d'ambiguïté, d'incongruité, etc. Subhanallah. Et là, il continue en disant ceci. Thania itfi. Thania itfi. Tous remplis et affichant une attitude d'orgueil, de prétention et de fierté. Sania utfihi. Des gens remplis d'orgueil, de prétention et de fierté en affichant ces attitudes-là. Des orgueilleux fins. Quand tu veux les parler, remplis de prétention et d'orgueil, ils ne veulent pas t'écouter. De fierté, pas possible. Alors qu'ils sont nuls. N'ayant aucune connaissance, n'ayant aucune guidance, n'ayant aucun livre qui peut les éclairer. Des livres remplis de contradictions et d'erreurs. Ah bon? Et Allah continue en disant Layudil an sabilillah. Et leur seul objectif, c'est d'égarer les gens du chemin d'Allah. Mentir aux gens pour les tirer de la lumière aux ténèbres. Leur seule mission, c'est d'égarer les gens, tirer les gens du droit chemin pour les envoyer dans l'égarement. Là où vous faites donner khizyun, Allah a dit ces personnes-là. Dans ce monde ici, dans Dunya ici déjà là, là où khizyun fait Dunya, ils seront frappés d'avilissement, d'un châtiment avilissant, ils seront frappés de honte, de rabaissement, d'humiliation. Allah les frappera d'humiliation. Et Allah continue en disant wa nuziquhu, et nous les ferons goûter yawm al-qiyama, le jour de la résurrection, azab al-hariq, d'un châtiment douloureux. Le châtiment de la fournaise, ils en goûteront. Promesse d'Allah. À condition qu'ils se repentent. Allez-y une fois de plus encore, je répète. Ceux qui sont sur TikTok, allez-y sur le profil. Prenez le lien de YouTube, allez-y vous abonner. Je viens de créer une nouvelle chaîne YouTube. J'ai besoin de mes 1000 abonnés tout de suite là pour aller commencer à faire mes lives. J'ai besoin de mes 1000 abonnés tout de suite pour aller commencer mes lives. Allez-y vous abonner, j'ai besoin de mes 1000 abonnés. S'il vous plaît, allez-y, s'il vous plaît. Actuellement, Facebook, dans la description du live, le titre du live là, vous sortez net, vous prenez le titre du live. Et puis regardez, il y a les trois liens là-bas. Et pour tous ceux qui n'ont pas tout ça, écrivez seulement sur YouTube, TikTok, Facebook, dans les barres de recherche en haut là. Écrivez Laboratoire DDR. Laboratoire DDR officiel. Laboratoire DDR officiel et abonnez-vous. Laboratoire DDR officiel et abonnez-vous. Voilà quelqu'un qui me demande dans les commentaires si c'est l'argent que je cherche. Non, je cherche Allah. Je cherche ma réussite dans l'au-delà. Mais j'ai besoin de vivre. J'ai besoin de manger pour transmettre ce message. J'ai besoin de mettre ma famille dans une condition normale. Leur donner leur subsistance pour pouvoir avoir le temps pour venir tirer les gens des ténèbres à la lumière. Tu es chrétien, ton prophète Jésus là, il était menuisier. Il avait son métier. Tu vois? Il y a des prophètes qui les ont travaillé. Ils avaient leur métier. Mais si tu étais au temps de Jésus, tu allais partir lui demander. C'est l'argent qu'il cherche ou bien. Mais c'est ta Bible qui dit. Vous pensez que quand on fait la dawa, là, ça veut dire que quand quelqu'un est un homme de Dieu, il n'a pas droit à manger, il n'a pas droit à vivre. On a droit à vivre. Il faut pouvoir manger, il faut pouvoir manger, donner à manger à ta famille pour pouvoir avoir le temps pour venir faire ça. Vous pensez que si actuellement le temps que j'ai ici, là, si on m'appelait tout de suite là pour dire l'enfant est malade et puis il n'y a pas 5 francs pour aller payer l'ordonnance,
Ou bien depuis matin, la famille n'a pas encore mangé, j'allais avoir le temps pour venir m'asseoir. Non. Parce que j'ai un devoir. J'ai une famille. Donc c'est juste ça. On ne répond pas à toutes ces personnes-là, mais il fallait que je donne, j'ouvre cette parenthèse aujourd'hui. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, la question est toujours récurrente. Et il fallait que je, de façon brève, j'ouvre cette parenthèse aujourd'hui. Voilà, sachez que Allah n'a jamais demandé, de ne même pas lui demander la subsistance. C'est dans le Coran qu'Allah nous dit ça. Mais seulement que lorsqu'on demande la subsistance d'ici-bas, on doit demander pour l'au-delà. Allah, il dit que j'ai créé Dunya et tout son contenu pour vous, les êtres humains. Et vous, je vous ai créé pour m'adorer. Et ne laissez pas ce qui a été créé pour vous, vous détourner de ce pourquoi vous avez été créé. Je passe. Allah, il dit, Zalika, et voilà. Bima kaddamat yadaka. Et lorsque Allah il va ramasser ses orgueilleux remplis de prétentions, de fierté et d'orgueil, et qu'il va les foutre en enfer parce que leur travail ici-bas n'était rien d'autre que d'égarer les gens, n'ayant aucune connaissance, n'ayant aucune guidance, n'ayant aucun livre qui pourrait les éclairer. Allah il dit, après qu'ils seront devant l'enfer, Allah il dira, Zalika, c'est ainsi, Bima kaddamat yadaka. Le travail que tu as fait avec tes deux mains dans ce monde-là, c'est ce salaire-là qui est là. Et Allah il dit, wa anna Allah. Et certes, sache que ton Seigneur Allah, laysa bizallamin lil abid. Allah n'est point qu'il est injuste envers une de ses créatures. Allah n'est point injuste envers ses créatures. Jamais. C'est ce que tu as eu là. C'est ça qu'il t'a donné. Vous avez compris? Ce que tu as mérité, c'est ça qu'il t'a donné. Il n'a rien ajouté, il n'a rien retranché. Et Allah, il continue. Il dit, wa minan nas. Et parmi les êtres humains, man, il y a certains, il y a Abdullah qui adore Allah. Ala harfin. De façon marginalisée, c'est-à-dire marginalement. Hein? Leur adoration, c'est souvent un ton, souvent devant les gens aussi, ou je ne sais pas. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de crainte. Imiter seulement les gens, pour lui c'est pour, ça dit que c'est une gymnastique tout simplement qu'il fait. Allah il dit, fa in asabahu khayrun itma'anna bih. Et lorsque Allah lui fait une grâce, qu'il a un grand projet qu'il a pu réaliser, hein, ou bien il y a une prime qui est tombée, en tout cas si Allah lui fait une grâce, itma'anna bih. Ah ouais, tu le vois très content, tranquille, bien fier, il est content. Mais wa'in asobatuhu fitnatun. Et lorsque une épreuve tombe, ça bat sur lui, in qalaba ala wajihi. Automatiquement, il détourne son visage en même temps. Il détourne son visage complètement. Allah dit, khasira dunya wal akhira. Alors, il a perdu ainsi ici bas. Et il a perdu l'au-delà également. Et je vois certains de mes frères musulmans. Ah oui, j'avais une petite épreuve là, j'avais une maladie, je suis allé à l'hôpital, depuis là, j'ai fait traitement, ça ne finit pas. Je suis allé chez des gens là-bas, et ils ont prié sur moi, ils ont pris poulet rouge, ils ont coupé, égorgé sur un canari, ils m'ont traité comme c'est eux qui m'ont soigné là, donc je dois aller faire tel un sacrifice chaque année. Ou bien il y a tel groupe, et ils sont allés prier sur moi, donc voilà, c'est pourquoi je suis rentré dans la religion, parce que. Ah bon? Avec tout le bienfait qu'Allah a fait pour toi, dans toute ta vie, tous les bienfaits d'Allah. Hein? Wa in matallah il a tout souha. Si vous décidez d'énumérer les bienfaits d'Allah, vous ne pouvez même pas dénombrer. C'est-à-dire que toi, et tous les bienfaits qu'Allah a fait pour toi. Juste une petite épreuve seulement qui vient de te mettre sur toi là. Ah ouais, tu es dans tous tes états. Tu as laissé Allah pour aller quelque part d'autre. Et Allah il dit, voici le comportement de certaines personnes. Et en ce moment, il perd non seulement ici-bas et puis l'au-delà en même temps. Tout ensemble. Zalika huwa khusranul mubin. Allah il dit, et ça c'est la plus grande de toutes les pertes. Une perte évidente. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah. Et prochainement, on va continuer la sourate. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le tafsir de la sourate 22 hein, que j'ai décidé de faire avec vous. La sourate Hajj. On va aller doucement, doucement, Inch'Allah.
Je répète encore, allez-y vous abonner à mes pages. Facebook, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. TikTok, allez-y sur le profil. Tapez sur le lien YouTube qui est là. Allez-y vous abonner à ma page YouTube. Et également, allez-y dans les barres de recherche de TikTok. Tapez Laboratoire DD Officiel, abonnez-vous. Allez-y sur Facebook. Tapez dans la barre de recherche Laboratoire DD Officiel. Abonnez-vous à mes pages. S'il vous plaît, j'en ai besoin. Et soutenez-nous dans la Dawa. On en a besoin. Soutenez-nous. Soutenez-nous pour le minimum. Pour la Dawa, pas pour nos soucis personnels. Mais soutenez-nous pour la Dawa. La connexion, etc. On a vraiment besoin de votre soutien. Ok. Et pour tous ceux qui veulent nous contacter pour des préoccupations, etc. Notre numéro ici, c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Une dernière fois, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Donc, c'est le contact du laboratoire pour tous ceux qui veulent me joindre. Inch'Allah. Qu'Allah nous aide. Comme je l'ai dit, soutenez-nous dans les doigts, dans les prières, et ensuite, avec la connexion, etc., soutenez-nous, on en a besoin pour la Dawa. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite.